Dirigeants, nous apprenons en CAI dans le département de la Bouenza pour voir l'effectivité de cet examen avec Victor Rampaka. Près de 2500 candidats, dont à peu près 200 candidats libres, sont appelés à concourir dans la ville de CAI au premier examen d'État qui ouvre les portes du collège. Matériel de composition disponible, le dispositif du port de masque renforcé pour mettre à l'abri les candidats à la pandémie du coronavirus. Signalons qu'au centre du lycée, qui est considéré comme l'un des plus grands centres de la ville, a enregistré 379 candidats repartis dans cette salle de classe. Avant l'entrée dans la salle de composition, quelques candidats ont affiché un optimisme sans bornes. Je suis venu présenter mon CP. Je suis très sûre que je serai admise. Je n'ai pas peur de tout ce que je vais faire. Je me suis préparée pour le CP. Je sais que je serai admise. Lançant les épreuves à 9h précises dans l'une des salles de composition, le président du jury, M. Joé Madouda, a exhorté les candidats à plus de sérénité et de courage. Nous sommes ici ce matin pour vous permettre de composer, de faire le CP. Et ce que nous voulons de votre part, c'est le travail individuel, pas collectif. Vous devez travailler seul. Ce que nous attendons, c'est le bon travail. Quand vous irez au collège, vous serez des bons élèves. À noter qu'avant les épreuves écrites, les candidats ont passé les épreuves orales consacrées à la poésie et au chant. Victor Gampaka, Ville de CAI, Lux TV.